Salut à tous, quatrième épisode de notre Let's Play sur Road Trip Adventure. Et dans le dernier épisode, nous avions exploré la ville de Fuji City, cette ville très jolie au style japonais. Donc nous avions exploré un petit peu cette ville, nous avions parlé avec les habitants, on a découvert les grandes enseignes de cette ville, notamment le temple au milieu du village, ainsi que la pâtisserie Tartelette par exemple. Nous avions été mis au courant d'une mystérieuse histoire d'enlèvement, celle de la fille de la pâtisserie Tartelette. Et on était resté sur cette affaire mystérieuse. Donc, on est la nuit, 23h17. Je sais pas par quoi commencer. Allez, on va commencer. On va parler à cette. On va parler à Matsugo. Matsugo, salut, je ne peux pas te dire tout, mais l'enlèvement de Otomi, il y a quelque chose de suspect avec Ishibuya. Certains disent qu'ils les ont mis ensemble à la chasse. Dis-moi, le garde à la chasse est souvent endormi ou parti pour la nuit. Voilà, c'est ça. Nous avait dit que le garde, c'était lui, hein, Matsugo, le garde était endormi ou parti pour la nuit. Tout de suite, allez voir. Il me semble que la dernière fois il n'était pas parti, mais nous étions allés le voir, il n'était pas totalement nuit. Attention, j'ai pas fait exprès. Toki, quelque chose de suspect se déroule à la chasse. Où est la chasse? C'est au nord-ouest de Fuji City. Il y a un bouton sur la boîte de monnaie devant vous. La chasse. N'est-ce pas suspect? Ah oui. Il vient de nous dire où était le garde, mais nous on savait. Allez, on y va, on va tout de suite. La dernière fois, le garde était toujours là. Nous étions allés le voir, il faisait nuit, mais il n'était pas si tard. Peut-être que ça explique pourquoi il est encore présent à gauche. Allez, on va tout de suite passer sous ce couloir des arches. On va voir tout simplement si le garde est toujours là. En tout cas, si on nous a parlé du garde, c'est quelque chose à faire ici. Et oui, le garde est là. Le garde est là, c'est bizarre. Je comprends pas. Bon alors. I'm full. Et il dort. Déjà, il ne me dit pas la même chose que la dernière fois. Bon. On était allé là ou pas? Je ne sais plus. Allons, voilà. Alors, médium. Allô, c'est la chambre de prédiction. Ah oui, on était déjà allé. On va essayer de refaire ce jeu. On va prendre une carte, celle-là, chance raisonnable, ça va. On va tirer une autre carte, allez la quatrième, cinquième, malchance, merde. On va pas quitter sur une malchance, allez bonne chance, nickel. Allez on va quitter, je sais même pas à quoi ça sert ici, parce que on a été déjà la dernière fois et je vois plus que ça sert. Enfin, j'ai jamais compris. Et le garde est toujours là. Hein. Le garde est toujours là, I'm full. Ceci dit, on va essayer de parler à Ishigoya, l'assistant des ventes, parce qu'on... Eh, je suis moqué. Ah non, c'est bon. Parce qu'on nous avait dit que... il y avait un rapport suspect avec Ishigoya. Il y a un petit peu de temps à démarrer, hein, cet épisode. On se rappelle le petit shortcut, on peut tomber ici. On va parler à Ishigoya, peut-être qu'il pourra nous en dire plus, parce que... peut-être sur le garde, tout simplement. Je sais pas où est Ishigoya. C'est là, peut-être. Voilà. Je sais plus où c'est. Je viens plus de... Ah oui, voilà. Ishigoya, c'est ça. Allô, as-tu vu le propriétaire? Le policier est venu le voir. Je les ai entendu parler de la pâtisserie Tartelette. De toute façon, il doit se voir. On est très occupé. Et lui, il se promène. Oups, je m'excuse, je n'aurais pas dû me plaindre au client. Tu quittes déjà, tu reviens. Il nous a pas renseigné plus, hein, sur lui. Sur le garde. C'est pénible. Je ne sais pas où chercher pour résoudre ce mystère d'enlèvement. J'essaie de... peut-être aller à la pâtisserie Tartelette directement pour parler avec le père d'Otomi. Bientôt 5 minutes et on n'a pas réellement démarré. Enfin si, on est en train de chercher. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut...
à avancer, tout simplement pour résoudre le mystère de l'enlèvement. Tes étardelettes. Oh, où est moi, Tommy? S'il te plaît, aide-moi, j'espère qu'elle est hors de danger. Ouais, ah, il nous aide pas. Moi, je sais pas où chercher pour... moi. Ah, non. Peut-être parler à lui, peut-être que... Brian, je suis la personne qui éteint toujours le feu, j'aime chercher le feu. Dis-moi si tu entends parler d'un bon endroit où on aurait besoin de pompiers. Eh oui, mais... Le problème, c'est qu'il nous aide pas sur l'enlèvement d'Otomi. Est-ce qu'on tente d'aller voir le garde? Non. Ah, il y a une pièce là-haut. Écoutez, on va prendre cette pièce que j'ai vue sur la colline, sur le promontoire. Si le garde est toujours là, on va faire un petit saut à Peachtown pour essayer de récupérer notre argent qu'on a gagné en transportant le panneau publicitaire du café. Et ensuite, on reviendra là. Bon, 1h04 du matin. Je ne sais pas quoi faire. Ah, le garde est là. Peut-être y a un truc derrière à faire. On peut pas rentrer dans ce temple. Putain, là, je sais pas quoi faire. Ah, il nous dit la même chose. Je sais pas quoi faire. Alors, est-ce qu'on avait été derrière? Eh, il y a une pièce. Toujours aller derrière les bâtiments. Parce que parfois, il y a des pièces cachées, ça c'est... C'est plutôt pratique. Allez, on va prendre la pièce que j'ai vue derrière le... Quick Pick Shop. Celui-là. Voilà. Allez, on y va. Et on va... Ah, attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y a peut-être quelque chose là derrière. On n'a jamais été. Et pourquoi pas? Ça se trouve, je m'enflamme et il n'y a rien du tout. Mais pourquoi pas? Je sais pas où on va. Je sais pas où, j'avais attention. Compliqué hein, là. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Je sais pas du tout quoi faire, les amis. Allez, la caméra qui nous aide pas du tout pour tourner. Là, on voit le pont là-bas, le pont de Island Bridge. Je sais pas quoi faire les amis, je suis un peu bloqué, je ne sais pas où chercher pour trouver Otomi, je sais pas où aller. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait. Le mec paumé. On est paumé les amis. Je suis paumé. Ah, on est là. Stylé. Bon, allez, direction Peachtown. On va prendre l'autoroute hein, en direction Peachtown, tout simplement. Est-ce qu'on peut monter? Ah, attendez. Non, je veux pas tomber. Nickel. Je vais vérifier. Ah, il y a une pièce là-bas. Ouais. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce qu'on peut grimper? Ah merde, dommage. On peut pas. Je suis bloqué. C'est une blague. Ah, c'est bon. Il met du temps cet épisode à se lancer. Hein. On va reprendre la pièce direction. Direction Peachtown. Allez, on va prendre la pièce. Elle est dans le vide. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de. Aller à Peachtown plus rapidement? Ah oui, oh excellent, ça va pouvoir nous aider. Je veux quitter. Ok, Peachtown. Qu'est-ce
ce que je voulais faire, Peach Town. Voilà, récupérer l'argent du café. Non, c'est pas là. C'est là-bas. Allez, on va récupérer l'argent. Je ne sais pas combien on a gagné. Non, c'est pas là. Merde. Alors, le café. On connaît cette belle BMW au passage. Alors, comment vas-tu? Pour chaque kilomètre, tu reçois 10 euros. T'as reçu 160 euros, ça va. Ça va, ça passe. 160 euros. Ça va. Écoutez, voilà. Et on va récupérer maintenant l'argent du stand de nouilles. Le stand de nouilles aussi a fait son entreprise, et d'ailleurs, on porte leur panneau actuellement. Vu comment on a trotté dans Fuji City, on va pouvoir. On va pouvoir y aller, hein, tout simplement. Récupérer notre argent. Alors, notre argent. Attendez. On va voir là. Je sais pas où chercher. J'ai pas envie quand même que tout l'épisode il fasse. Nous qui sommes en train de chercher. Ce sera un peu pas intéressant. Hey, c'est toi. J'ai suivi ton conseil et j'ai acheté un chien. Il est devenu ami avec les corbeilles. Il ne les a pas chassés, mais ils les ont arrêtés d'en manger la récolte. C'est une bonne chose que j'ai demandé à toi. Prends ça. Club policier. Viens me voir si tu es par ici. Oh, excellent. Le club des policiers. Très bien. Parfait, ça. Ça nous fait une mission en plus. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on continue. Mais je sais pas où chercher. Je ne sais pas du tout où chercher. Bon. On va essayer de voir. Pourquoi je tourne à droite? On va essayer de voir là-bas. Ah là là, c'est triste. Ça fait 12 minutes et je n'ai aucune idée de quoi faire. Ah oui, le garde est là, forcément. Là, il est bien réveillé. Là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a, en fait. Je vais pas te faire mal, va-t'en. La fille t'a plaisir, c'est un t'es parti. Je m'en fiche, va-t'en. Ah, je ne sais pas du tout où aller. Débloqué. L'épisode est chiant. Je suis bloqué, je ne sais pas comment faire. Bon. Parce que il faudrait pas commencer à visiter autre part, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait visiter autre part? Peut-être. Si on n'a plus rien à faire, si on n'arrive pas à avancer ici, autant changer de ville. Hein. Bon. Tiens, on a récupéré. Ah non. On a récupéré l'argent des nouilles ou pas? Non, on l'a pas récupéré. On y va tout de suite. Ah tiens, j'ai envie de m'acheter une nouvelle carrosserie. On va s'acheter une nouvelle carrosserie. On va récupérer l'argent de tes nouilles. Et on va voir quelle carrosserie nous propose. J'ai vu un body shop. 20 euros pour un... 300 euros. 300 euros. C'est beaucoup. Je sais pas combien d'argent ça nous fait, mais... C'est pas mal. Vas-y, on va au body shop. On va essayer de voir si on peut changer notre carrosserie tout simplement. Allez, on va regarder une nouvelle carrosserie. Pas mal. Ouais. Oh, celle-là est pas mal. Après, on pourra toujours les peindre pour changer la couleur, mais celle-là, j'aime bien. On retient celle-là à 51. Ça, pas mal aussi. Ah, excellent aussi. Bon, mon rêve, les amis, c'est de rouler en Aston Martin. En Aston Martin DB5, ma voiture préférée. J'aime beaucoup. J'adore. Si on en trouve une, on se l'achète direct. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? On est revenu là où... On est revenu. On est revenu au truc principal. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Celle-là est sympa, celle-là aussi. Mais c'est bon. En attendant, on va s'acheter celle-là, ok?
va s'acheter celle-là et on va se l'équiper. Tout simplement. Ouais. On va se l'équiper, les amis. Je sais pas où est... Ah non, pour le body shop. C'est bon. Mais pour aller là... On peut se l'équiper directement au Q's Factory. Et ben voilà. On va changer une pièce, on va se mettre une petite carrosserie. Voilà. Ah, elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Par contre, on va passer tout de suite au rouleau de peinture. Pour changer cette couleur, parce que vert, comme ça, je suis pas trop fan. Moi, j'aime bien un gris métal. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ah ouais, elle est belle. GT en plus, voiture de sport. Ça, c'est très intéressant. Attention, on va parler à lui. Je sais pas si on l'avait parlé. Goro. Je suis super de la façon dont je conduis. Je peux rejoindre ton équipe. Non, pas tout de suite. Et Lambridge, bon, c'est... Ah là là là. Bon. On a fait des quêtes annexes, hein, parce que... Non, c'est pas ça. Moi, je veux le main shop. On a fait des quêtes annexes, hein, du coup, on était obligé parce que... Parce qu'on n'a pas réussi, tout simplement, à trouver... Comment sauver la fille de la pâtisserie tartelette, hein, tout simplement. À gauche, qu'est-ce qu'on avait fait à gauche? Ah, mais attendez, il y a des trucs là-bas. Il y a des trucs que j'ai même pas vu. Putain. Putain, j'ai même pas vu. Ah, attention. Ah ouais, on est bloqué. Tige de loin. Pff, putain. On va essayer de prendre un petit peu d'élan. On va essayer de faire un truc, les amis. On va essayer de prendre de l'élan. Je sais pas si ça va passer. Non. Et si on recule en marche arrière? On va essayer de reculer en marche arrière, effectivement. Non, faut pas passer. Ah, c'est dommage, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ah, il y a une maison là, ça a l'air intéressant. Putain, je suis bloqué. Bon, on va passer au paint shop. Et après, on va visiter un petit peu en dehors de Fuji City, tout simplement. Paint shop. 100 euros, 200 euros, ouais, ça va, ça va. On a 2000 euros, ça passe. Alors, est-ce qu'on a... Oh, elle est belle, hein. Elle est belle, notre voiture. Petite GT. Sympa. Alors. Plutôt dans des teintes rouges. Rougeâtres. Ouais. Alors, rouge et jaune, ça donne... rouge et vert, pardon, on donne du jaune. Ouais. Pas trop fan, si on met toutes les couleurs. Ah ouais, là, on se rapproche plutôt du blanc. C'est le blanc jaune. Comment on se fait pour s'approcher du gris? Non. Je suis plus fan du gris, moi. Là, on est au noir. Comment on fait pour faire du gris? Comment on fait pour faire du gris, les amis? Ah, il faut faire du blanc, pardon. Autant pour moi. Ouais. Ah, j'arrive pas à faire du gris. J'arrive pas. Oh, je suis horrible. J'arrive pas à faire du gris. Quoique, est-ce que c'est pas... Eh, j'aime bien ça. Non. Ah, j'aime bien ce petit bleu là. C'est pas mal. Vas-y, on va garder ça. Et ça, c'est quoi? C'est pour peinturer le bas. Pff, c'est tout de suite un petit peu plus dégueulasse, effectivement. Non, on va la mettre de la même couleur. Moi, j'aime bien ce petit bleu, c'est sympa. Bon. Et les roues, est-ce qu'on peut les peinturer noir, rouge, vert? Non, moi, je suis pour le classique. Hein. Un petit blanc, là, c'est bon. Ok. Pour l'instant, on va garder cette couleur pour la peinture.
J'aime bien ce petit bleu clair, c'est un peu... Ah, c'est bien pimpé, hein, mais bon... Ça va, j'aime bien. Pour une voiture de course comme ça, c'est... Et écoutez, bah, on va partir de Fuji City. Hein. Je resterai peut-être la nuit suivante, dans le doute, d'aller voir le garde, mais... En attendant, on est bloqué. On est bloqué, les amis. Attendez, elle va vite, hein. Elle va vite, hein, cette voiture. Ah mais non, c'est... Eh, attendez. Attendez, j'ai une idée. On va retourner là-bas. Je suis désolé, hein, si cet épisode est un peu long et chiant. Un peu long et chiant, pardon. Ah, j'ai pas réussi, là. J'avoue, je suis bloqué. Faudrait que je refouille cette ville, hein, tout simplement. Merde, Matsugo. Le mouvement d'automie est quelque chose de spécial qui est chez lui. Les ennuyeurs sont à la chasse. Le garde à la chasse sont endormis. Ouais, mais il est toujours là. Oui, on l'a vu endormi, mais ça nous a pas aidé. Je me demande ce que ça fait quand il est parti. Mais non, s'il est parti, si le garde il est important, c'est quoi ça? Il faut qu'il soit là. Bon, c'est pas. Je prends un peu plus de vitesse. Peut-être que ça a passé. Ça a réussi. Ah, j'ai pas envie de le dire, mais putain, quel génie. Ah, on va enfin pouvoir voir ces maisons. On n'avait pas vu. Alors, c'est intéressant ça. Iwazuke. Oh, quelle surprise. C'est rare que les gens viennent me visiter, mais c'est très gentil. Tu peux voir l'océan. As-tu une hélice? Je l'utilise des fois pour conduire plus vite sous l'eau. Où je peux en trouver, je ne sais pas. Mon grand-papa m'en a donné une. Je pense que mon grand-papa a dit qu'il a eu d'un édifice sous la mer, près d'une montagne de neige. Bien, reviens faire un tour. C'était intéressant, parler avec lui. Mais c'est dommage... Ah si, j'allais dire c'est dommage qu'on n'a pas de mission réalisée. Et si, on a rencontré Iwazuke. Ah, c'est la mission 18. Hein. Juste sauver Otomi de la petite tartelette. Et ça... Ça, c'est notre gros point d'ombre, je sais pas. La souris. On va faire une petite photo, souvenir de ce quick pick. Devant l'océan, je suppose. On va prendre une petite photo. Ah, pas du tout, c'est pas du tout devant l'océan. Qu'est-ce que c'est? J'ai le hockey en même temps. Bon. Concernant Otomi, on sait pas. On va faire la petite mission. Est-ce qu'on a des pièces cachées derrière les meubles? Derrière les meubles. Oh, putain, fatigué là. Hein. Derrière. Non, il n'y a pas de pièces cachées. Ah, il y a une pièce là. Voilà. Écoutez, les amis, on va. Ah, avant de se quitter, on va voir un petit peu. Juste à la sortie de Fuji City, on va pas sortir. Dans un autre épisode, on va prendre le shortcut qu'on a trouvé la dernière fois. Ma foi, plutôt sympathique. Ouais, il faudra éviter aussi ce mystère de là de la porte bizarre là, c'est dans le fossé sous l'eau. De toute façon, on n'a pas le temps d'entrer dedans. Ouais, le mec nous avait bloqué. Bon, on va essayer de voir. Ce qu'il y a à la sortie de Fuji City. On avait parlé à cette personne. Ouais, je crois que c'était Coin. Ah, Coin. Il y a beaucoup de Monet Koryu partout. Ah oui, c'est celle qui veut faire sa chambre. De Monet Koryu. Ok. Alors, ça fait Next City. Ah ouais, déjà. Ah, l'autoroute. D'accord. Écoutez, on va pas prendre l'autoroute tout de suite, on va visiter juste les maisons avant là, les 2-3 maisons qu'il y a là, juste avant. Belle voiture, Natsuo. Je suis Speed. Speed, c'est moi. Tu oses mettre au défi Speed Guy? Hé, tu veux faire les courses? Allez, on va se finir par une petite course cet épisode. Allons, point de départ. Oh! Oh, stylé. Oh là! Il est super vite par contre, le bourre.
Putain, il est trop rapide. Vraiment, cette course c'est dur, hein, les virages là. Ah, il est trop rapide. Ouais, mais le mec est beaucoup trop rapide. Faire la course dans l'autoroute là. Oh putain, il est trop rapide. Il est trop rapide. Oh là là, ça va trop vite pour nous, hein. Ça va trop vite. Ouah, wow, regarde, le virage, on les prend comme des brêles. Oh là là, ça va trop vite. Trop dur. On n'a pas le niveau, on reviendra se battre contre lui. Ouf, oh là là. Horrible. Regardez, il doit être arrivé depuis bien longtemps, là. Ah, c'est atroce. Oh, la maniabilité. Il faudra s'acheter un nouveau volant qui tourne plus vite. Parce que sinon c'est horrible. Ah ouais, d'accord. Merci, on a perdu, je sais. Et t'as un long voyage à faire, reviens. Bah yes. Non. Yes, on fait la course n'importe quand, frérot, quand tu veux. Écoutez les amis, je suis désolé pour cet épisode. Ah, attendez. Non, il est 2h. Est-ce qu'on irait pas voir... Regarde, écoutez, on va se quitter pour cet épisode. Et peut-être dans l'épisode précédent... dans l'épisode suivant... découvrira enfin le mystère de l'enlèvement de Otomi, et d'ici là, on se retrouve très très vite.